Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. CRPE, session 2017, groupement 2. Première partie. Les figures données ne sont pas à l'échelle. La figure ci-dessous modélise un jardin dont l'aménagement doit être repensé. Le trapèze ABCD est tel que les droites AB et DC sont parallèles. Les droites AD et DC sont perpendiculaires, AB est égal à 50 mètres, AD est égal à 30 mètres et DC est égal à 70 mètres. E est le point du segment DC tel que ABED est un rectangle. Partie A. Premier projet d'aménagement. Question 1. Dans un premier temps, le propriétaire désire clôturer le jardin. Calculez la longueur de clôture nécessaire sachant qu'il prévoit l'installation d'un portail de 3,10 mètres de large. Donnez la valeur exacte, puis la valeur arrondie au mètre. Question 2. Dans un deuxième temps, il partage son jardin en trois parties. Un espace réservé au potager représenté par le triangle rectangle PCE. Un espace de plantation florale représenté par le demi-disque hachuré de diamètre AB. Un espace engazonné sur le reste du jardin. Calculez l'aire arrondie au mètre carré de chacune des trois parties du jardin. Alors, première partie, section A, premier projet d'aménagement. Donc ici, on veut calculer le périmètre de ABCD, sachant qu'il y aura un portail de 3,10 mètres de large. Alors, donc, AB est égal à 50, AD est égal à 30, donc ici, BE est égal à 30, DC est égal à 70, donc ici DC est égal à 70, donc ici DE est égal à 50, CE est égal à 20. On va calculer BC, donc ici on va devoir utiliser le théorème de Pythagore. On sait que BEC est un, donc BEC est un triangle rectangle en E. On sait que BE est égal à 30 mètres et EC est égal à 20 mètres. On utilise le théorème de Pythagore pour calculer BC. Donc ici, théorème de Pythagore, BC carré est égal à BE au carré plus EC au carré. Donc ici, 30 au carré plus 20 au carré. 900 plus 400 est égal à 1300. Donc BC est égal à racine carrée de 1300. Racine carrée de 1300, c'est racine carrée de 13 fois 100. Donc on va pouvoir sortir le 100 de la racine. C'est 10, donc 10 au carré est égal à 100. 10 racine carrée de 13 mètres. Ainsi, le périmètre de ABCD, eh bien, c'est 50 plus 10 racine de 13 plus 70 plus 30. Ou encore 10 fois 5 plus racine de 13 plus 7 plus 3. Ou donc ici 12, 15. Donc 10, 15 plus racine carrée de 13. Alors 10 fois 15 plus racine carrée de 13. On obtient 186,0. Donc ici, à peu près 186. À peu près 186 mètres. Alors là, c'est le périmètre de ABCD. Donc périmètre de ABCD, on a dit que c'est à peu près 186 mètres. Donc périmètre de ABCD à peu près égal à 186 mètres, ou encore égal à 10 fois 15 plus racine de 13. Donc maintenant, longueur de la clôture. Donc longueur de la clôture. Eh bien, c'est 10, 15 plus racine carrée de 13 moins 3,10. Donc 3,1. Moins 3,10. Donc 3,10. 182,9. 182,9. Donc si on arrondit au mètre près, 183 mètres.
Donc la longueur de la clôture doit faire donc 183 mètres. Alors, calculer l'aire arrondie au mètre carré de chacune des trois parties du jardin. Alors, on rappelle quelques longueurs. Ici, ici c'est 20, 30, 30, 50. Donc ici c'est 30, 50. Voilà. Donc, l'aire du potager. Donc, l'aire du potager, c'est l'aire de BEC. C'est un triangle rectangle, base fois hauteur. Base fois hauteur, 20 fois 30 divisé par 2, 10 fois 30 est égal donc à 300 mètres carrés. Ensuite, l'aire de la plantation florale, plantation, eh bien c'est l'aire du demi-disque qu'on a appelé D, ici, l'aire demi-disque D. Donc l'aire du demi-disque, c'est pi fois rayon carré divisé par 2. Donc pi fois rayon carré divisé par 2. Diamètre 50, rayon 25. Pi fois 25 au carré divisé par 2. Ce qui va nous donner, donc arrondi au mètre carré, pi fois 25 fois 25 divisé par 2. Trouver 981,7, donc 982 mètres carrés. Et l'air donc engazonné, donc gazon, air du gazon, eh bien c'est l'air de A, B, E, D moins l'air du demi-disque. Donc ici, 50 fois 30 moins pi fois 25 au carré sur 2. Donc ici on a 1500 moins 982 fois 30 moins ceci, 518,2, donc ici 518 mètres carrés. CRPE, session 2017, groupement 2. Première partie. Les figures données ne sont pas à l'échelle. La figure ci-dessous modélise un jardin dont l'aménagement doit être repensé. Le trapèze ABCD est tel que les droites AB et DC sont parallèles. Les droites AD et DC sont perpendiculaires. AB est égal à 50 mètres. AD est égal à 30 mètres. Et DC est égal à 70 mètres. E est le point du segment DC tel que ABED est un rectangle. Partie B. Plantation. Question 1. Pour cette question, on considérera que l'aire de la partie engazonnée est de 520 mètres carrés. Le propriétaire contacte un paysagiste qui propose pour l'ensemencement du gazon, un tarif de 5 euros le mètre carré. Il offre une remise sur le prix total et ne facture que 1950 euros. Quel est le pourcentage de la remise accordée? Question 2. Pour débuter son potager, le propriétaire a acheté 75 plants de salade et 50 pieds de tomates. Il se souvient que le prix d'un plant de salade était de 22 centimes et qu'il a payé en tout entre 50 et 55 euros. En déduire un encadrement le plus précis possible du prix d'un pied de tomate. Alors section B, donc on va s'occuper de plantation. Donc aussi on considère que l'aire de la partie engazonnée est de 520 m². Donc ici on veut l'ensemencement du gazon, tarif de 5 euros le mètre carré. Donc ici 520 x 5. Donc 0,026 euros. Et on cherche le coefficient multiplicateur qui passe de 2600 euros à 1950. Donc ici, 1600 fois 1 moins t sur 100 égale à 1950. 1 moins t sur 100 est égal à 1950 sur 2600. Ici, t sur 100, donc ici moins t sur 100 est égal à 1950 sur 2600. Moins 2600 sur 2600. Donc ainsi, t sur 100. Donc ici, on fait l'opposé. Donc c'est 2600 moins 1950. Donc 2600 moins 1950 sur 2600. T est égal donc à 2600 moins 1950 fois 100.
sur 2600. Donc ici, t est égal donc à 2600 moins 1950 divisé par 26. 650 divisé par 26. 650 divisé par 26, on calcule, on va trouver donc ici le taux en pourcent, bien entendu. 650 divisé par 26, 25, donc 25%. Donc ici, le paysagiste lui propose une remise de 25% du prix du gazon. Alors ici, le propriétaire achète 75 plants de salade, 50 pieds de tomates. Donc le plant de salade était de 22 centimes et il a payé entre 50 et 55 euros. Donc ici, soit S, le prix d'un plant de salade. Donc S est égal à 0,22. Soit T, le prix d'un pied de tomate. Donc ici, on sait que il a acheté 75 plants de salade, donc 75 fois 0,22 plus 50 fois 50 fois t, et ce nombre-là est compris entre 50 et 55. Donc ici, 75 fois 0,22, 75 fois 0,22, 16,5, 16,5 plus 50t, compris entre 50 et 55. Donc ici, on retranche 16,5, 16,5 à gauche et à droite. Donc on va trouver 33,5 inférieur ou égal à 50t, inférieur ou égal à 38,5. On divise par un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. On n'inverse pas ces deux membres. Ici, donc 33,5 divisé par 50, inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à 38,5 divisé par 50. 33,5 divisé par 50, 0,67. Et 38,5 divisé par 50, 0,77. Donc 0,67 inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à 0,77. Donc t compris, donc le prix d'un pied de tomate est compris entre 0,67 euros et 0,70 euros. CRPE, session 2017, groupement 2. Première partie. Les figures données ne sont pas à l'échelle. La figure ci-dessous modélise un jardin dont l'aménagement doit être repensé. Le trapèze ABCD est tel que les droites AB et DC sont parallèles, les droites AD et DC sont perpendiculaires, AB est égal à 50 mètres, AD est égal à 30 mètres et DC est égal à 70 mètres. E est le point du segment DC tel que ABED est un rectangle. Partie C. Étude d'un agrandissement du potager. Après réflexion, le propriétaire décide d'agrandir son potager. Sur le plan de son jardin, il place un point M sur le côté AB et trace la droite parallèle à AD passant par M. Elle coupe le segment DC en un point G. Le potager est maintenant représenté par le trapèze MBCG et l'espace de plantation florale par le demi-disque de diamètre AM. On pose AM est égal à X où X est exprimé en mètres. Question 1A. Donner un encadrement des valeurs de X possibles. Question 1B. Démontrer que l'aire du trapèze MBCG est égale à 1800 moins 30x. Question 2. Le propriétaire utilise un tableur pour effectuer des calculs d'aire des différentes parties du jardin en fonction de la distance AM. Question 2A. Une formule a été saisie dans la cellule B2 de la feuille de calcul et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la plage de cellules entre C2 et G2. Quelle peut être cette formule? Question 2B. Parmi les quatre propositions suivantes, quelle est la formule qui a pu être saisie dans la cellule B3 de la feuille de calcul et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la plage de cellules entre C3 et G3? Question 3. Le propriétaire utilise un logiciel pour construire les représentations graphiques des trois fonctions donnant l'aire de chacune des parties du jardin en fonction de la distance AM. Il obtient le graphique donné ci-dessous. Question 3A. Indiquer sans justifier à quelle partie du jardin correspond chacune des courbes C1, C2
et C3. Question 3B. Les courbes C2 et C3 se coupent en un point dont l'abscisse est environ 38. À quoi cela correspond-il pour le jardin? Question 3C. Par lecture graphique, déterminez une valeur approchée des aires respectives de l'espace de plantation florale et de la partie engazonnée lorsque l'aire du potager vaut 400 m². Question 4. Par le calcul, déterminez les aires respectives de l'espace de plantation florale et de la partie engazonnée lorsque l'aire du potager vaut 750 m². Arrondir ces aires au mètre carré. Première partie, section C, donc étude d'un agrandissement du potager. On va placer un point M sur AB. Et donc ici, nous avons un trapèze MBCG. Et bien entendu, le demi-cercle maintenant est de diamètre AM. AM est égal à X. Ici, AM égale à X. AB est égal à 50. DC est égal à 70. GC, on va calculer après, et ici c'est 30. Maintenant, on veut donner un encadrement des valeurs de x possibles. Donc, donner un encadrement des valeurs possibles de x. Donc, ici, on est AB est égal à 50. Donc, ici, AB est égal à 50. M, mètre, M appartient au segment. Donc ici, AB, donc X, compris entre 0 et 50. On peut poser BM, BM est égal à 50 moins X mètres. Démontrer que l'aire du trapèze MBCG est égal à 1800 moins 30X. Donc ici, l'aire du trapèze, donc ici R de MBCG, MBCG, donc grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, on va noter H, donc ici H, donc le projeté orthogonal de B sur GC. Alors pour avoir l'aire du trapèze aussi, on peut faire BHC et MBHG, donc l'aire de BHC plus MBHG. Donc ici, l'aire de MBCG, on va utiliser la formule du trapèze. Donc ça va être MB plus GC, MB plus GC, MB plus GC. Alors GC, c'est GH plus HC. Donc GH, c'est MB. MB plus HC, et bien HC c'est, donc on avait dit c'était 20, comme pour la précédente section. Donc 20, ici MB, ça va être 50 moins X, plus 20. Donc ici, 30, 70 moins X. Donc ici, MB plus GC fois MG sur 2. Donc ici, MB, 50 moins X, 50 moins X, plus 70 moins X, fois MG qui est égal à 30 sur 2. Donc ici, 120 moins 2X, 120 moins 2x fois 30 divisé par 2. Donc ici on peut factoriser par 2. 60 moins x, 60 moins x fois 30. Donc ici 60 fois 30, 1800. 1800 moins 30 fois x. Donc moins 30 fois x. Donc moins x fois 30 moins 30x. Et c'est bien la valeur qu'il fallait trouver. Alors, question 2. Propriétaire utilise un tableur. Donc, A, quelle est la formule sur B2? Donc, B2, R du potager. Donc, ici, B2, il faudra mettre, donc ici, 1800 moins 30 fois
B1 pour avoir l'aire du potager. Donc ça c'est 2A. Et 2B, parmi les quatre propositions suivantes, quelle est la formule qui a pu être saisie? Ici, donc ici l'aire, donc ça c'est 2B, on va le mettre ici. Donc AM, donc AM c'est le diamètre du demi-disque. Donc l'aire du demi-disque c'est pi fois rayon, mais rayon c'est d sur 2. Donc d sur 2 le tout au carré sur 2. Et donc pi fois d au carré, donc pi fois d au carré sur 4 sur 2, donc ici sur 8. Donc ici, que faut-il mettre dans la cellule B3? Donc on prend la distance AM, on la multiplie par elle-même, on la multiplie par pi, on divise par 8. Donc la réponse ici, c'est bien celle-ci. Pi fois B1 sur 8. Alors, ici, indiquer sans justifier à quelle partie du plan correspond chacune des courbes. C1, C2, C3. Alors, C1, 1800 moins 30x, c'est une droite. Donc, ça va être C1, 1, C1. C1 représente l'aire du potager. Ensuite, C2. Donc C2. Alors on peut regarder sur le tableur. En 20, la plantation florale, c'est 157. En 20, 157. Donc on est ici. Donc C2 se représente. Donc C2 représente l'aire des plantations. L'aire des plantations. Et C3 représente l'aire du gazon. Donc C2 et C3 se coupent en un point dont l'abscisse est environ 38. Donc ici, 38. Voilà. Alors ça représente quoi? Eh bien, cela représente, à quoi cela correspond-il pour le jardin? Quand AM est égal à 38 mètres, l'aire des plantations est égale, donc est égale à l'aire du gazon. Donc c'est-à-dire ici quand ce terrain-là est partagé équitablement entre les plantations florales et le gazon. Donc ici l'aire du gazon est égale à l'aire des plantations est égale à l'aire du gazon, donc ce qui correspond donc à une aire de ici à peu près 570 mètres carrés. Donc ici, 570, à peu près 70 mètres carrés. Alors, par lecture graphique, question C, par lecture graphique, déterminer une valeur approchée des aires respectives de l'espace de plantation florale et de l'aire du gazon lorsque l'aire du potager vaut 400 mètres carrés. 400 mètres carrés. 400 mètres carrés. C'est ici, c'est à peu près x est égal à 46. Hop. Donc ici, l'aire du potager vaut 400 mètres carrés. Ici, l'aire plantation est égale à donc ici 850 mètres carrés. Et l'aire du gazon, ça va être donc ici 500 50 mètres carrés. Donc ici, question A, question B et question C.
Alors, on sait que l'aire du potager vaut 750 mètres carrés, donc on veut par le calcul les aires respectives des espaces de plantation florale et de la partie engazonnée. Donc 1800 moins 300 moins 30x est égal à 750. Donc ça, c'est l'équation à résoudre pour trouver la distance AM. Donc ici, moins 30x est égal à 750 moins 1800, ou alors 30x est égal à 1800 moins 750. Donc 30x est égal à 1050. Donc x est égal à 1050 divisé par 30, ou encore 1050 divisé par 30, 35. Donc x est égal à 35 mètres. Alors maintenant, l'aire des plantations. Plantation. Eh bien, ça va être égal à pi fois diamètre 35 au carré sur 8. Ce qui nous donne pi fois 35 au carré divisé par 8. Ce qui nous donne 481 mètres carrés. Donc à peu près 481 mètres carrés. L'aire du gazon, maintenant. Donc ça va être. Donc l'aire du gazon, vous voyez ici c'est x fois 30. Donc, alors on avait trouvé que x est égal à 35. 35, donc 35 fois 30 moins l'aire du demi-disque. 35 fois 30 moins l'aire du demi-disque moins pi fois 35 au carré sur 8. On va trouver 35 fois 30 moins pi fois 35 au carré sur 8. On va trouver 560, ici 569, donc ici 569 mètres carrés. Et donc l'aire de plantation est égale à 481 mètres carrés et l'aire du gazon 569 mètres carrés. On peut vérifier ça graphiquement. Donc 750 mètres ici. Si on descend, on trouve l'aire de plantation égale à ici 460, aussi 480, oui, 480, c'est cohérent. Et gazon 569 mètres carrés, donc ici 570. Donc c'est bien cohérent avec ce qu'on a trouvé. Deuxième partie. Cette partie est composée de quatre exercices indépendants. Exercice 1. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse. Une réponse exacte non justifiée ne rapporte aucun point. Une réponse fausse n'enlève aucun point. Petit 1. Dans un club sportif, les trois quarts des adhérents sont mineurs, ils ont moins de 18 ans, et le tiers des adhérents majeurs a plus de 25 ans. Affirmation. Un adhérent sur 6 a donc entre 18 ans et 25 ans. Petit 2. Affirmation. Durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30% puis de 20%, alors le prix de l'article a baissé de 50%. Petit 3. On considère une série statistique de moyenne égale à 5. On complète la série en ajoutant 5 valeurs supplémentaires. Affirmation. La moyenne de la série ne change pas. Petit 4. Affirmation. Pour obtenir le carré d'un nombre entier, il suffit de multiplier le nombre entier qui le précède par le nombre entier qui le suit et d'ajouter 1. Deuxième partie, premier exercice, quatre affirmations, vraies ou faux. Alors, dans un club sportif, les trois quarts des adhérents sont mineurs. Si on va pouvoir faire donc un graphique. Hop, hop. Donc, on sait que les trois quarts sont mineurs. Donc ici, trois quarts des adhérents sont les mineurs de moins de 18 ans. On sait qu'un tiers des adhérents majeurs, donc ici ça c'est les majeurs, donc un tiers des adhérents majeurs ont plus de 25 ans. Majeurs, plus de 25 ans. Donc on va savoir cette partie-là. Cette partie-là. Sachant qu'ici on a 3 quarts. Et ici on a un quart fois un tiers. Des majeurs, proportion de majeurs qui ont entre 18 ans et 25 ans. Donc ici, proportion
de majeurs qui ont entre 18 et 25 ans. Donc ça fait 1, donc le reste, moins 3 quarts, plus 1 quart fois 1 tiers. Donc ici, 1 moins donc 3 quarts, plus 1 douzième, on met au même dénominateur, 1 moins, donc fois 3, 9 sur 12, plus 1 douzième, 1 moins 10 douzièmes, ce qui nous fait donc 2 douzièmes. On factorise, donc on simplifie par 2, et on va trouver 1 sixième. Donc un adhérent sur 6 a donc entre 18 et 25 ans, donc l'affirmation est vraie. Durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30% puis de 20%, alors le prix de l'article baisse de 50%. Donc soit P, le prix de l'article avant les soldes, P, le prix de l'article avant les soldes, avant les soldes. Donc ici, on va appliquer un coefficient multiplicateur de 0,7 et 0,8, donc 1 moins 30 sur 100, donc 1 moins 0,3, 0,7, 1 moins 20 sur 100, 1 moins 0,2, 0,8. Donc ici, P, 0,7 fois 0,8 fois P est égal à 0,7 fois 0,8, c'est 0,56 fois P, et 0,56, c'est égal à 1 moins 0,44. Donc l'article a baissé de 44% et non de 50%, donc l'affirmation est fausse. Alors, ici, considère une statistique moyenne, donc de moyenne égale à 5. Donc série statistique de moyenne égale à 5. Donc ça veut dire soit n, effectif total de la série statistique, que la série stat, on va noter x1, xn les valeurs de la série, et bien la moyenne, donc x bar, on va l'appeler x bar, est égale à x1 plus, trois petits points, plus xn sur n. Donc si on veut, n x bar est égal à x1 plus 3 petits points plus xn. On ajoute 5 comme valeur. Donc on va appeler x, donc x prime bar, donc la nouvelle moyenne de la série statistique. Donc si on ajoute une valeur, l'effectif total sera n plus 1. Donc on aura x1 plus x2 plus 3 petits points plus xn plus 5. Or, x1 plus x2 plus xn, on avait dit que c'était, donc ici, cette moyenne est égale à 5, donc ici, n x bar, eh bien c'est égal à 5n. Donc ici, cette somme-là, c'est 5n plus 5 divisé par n plus 1. On peut factoriser par 5, 5n plus 5 fois 1, donc ici plus 1 sur n plus 1. On peut simplifier par n plus 1 et la moyenne est de 5. Donc la moyenne de la série ne change pas, c'est vrai. Pour obtenir le carré d'un nombre entier, il suffit de multiplier le nombre entier qui le précède par le nombre entier qui le suit et d'ajouter 1. Donc soit n, un nombre entier, qu'on veut chercher donc le carré, et on va faire l'opération. Donc n moins 1, nombre entier qui le précède, fois le nombre entier qui le suit, plus 1. Et si on reconnaît a moins b plus a plus b, donc ici a égale à n, b est égal à 1, donc a moins b, a plus b est égal à a carré moins b carré, donc ici c'est égal à n au carré moins 1 plus 1. Donc ici, n au carré.
Donc ici, l'affirmation est vraie. Alors si vous voulez développer n-1 fois n plus 1, donc c'est n au carré, donc plus n, moins n, plus 1. Donc n au carré, moins 1. Donc n au carré moins 1 plus 1 est égal à n au carré. Donc l'affirmation est vraie. On trouve bien le carré du nombre entier. Deuxième partie. Cette partie est composée de 4 exercices indépendants. Exercice 2. Ce tableau présente la hauteur en millimètres des précipitations journalières au cours du mois d'avril 2016 sur l'aéroport Roland-Garros de l'île de la Réunion. Question 1. Calculez la valeur moyenne des précipitations journalières au cours du mois d'avril 2016 arrondie au dixième de millimètre. Question 2. Déterminez la valeur médiane de ces précipitations journalières. Interprétez ce résultat par une prise. Question 3. Quelle est l'étendue de cette série? Question 4. Déterminez le nombre de jours où la hauteur des précipitations est supérieure ou égale à 13 mm, puis exprimez ce nombre en pourcentage par rapport au nombre de jours dans le mois. Question 5. Sachant qu'une des pistes de décollage de l'aéroport Roland-Garros est rectangulaire et mesure 3000 mètres de long et 50 mètres de large, calculez en mètres cubes, puis en litres, le volume de pluie tombé sur cette piste au cours du mois d'avril 2016. Deuxième partie, exercice 2. Donc ici, études statistiques, donc précipitation journalière. On veut la moyenne, la médiane, l'étendue, les valeurs supérieures à 13 mm, et donc un calcul de volume. Alors, calcul de la valeur moyenne, donc c'est simple, c'est x bar est égal à 0 fois 4 plus 0,3 fois 6 plus 1,3 fois 4 plus 1,7 fois 4 plus 2,5 fois 3 plus 7,3 7 fois 3 plus 13 fois 2 plus 21 fois 1 plus 28 fois 2 plus 42 fois 1 sur 30, donc 30. Donc ici 0 fois 4 plus 0,3 fois 6, donc 0,3 fois 6 plus 1,3 fois 4, 1,7 fois 4 plus 2,5 fois 3 plus 7 fois 3 plus 13 fois 2 plus 21 fois 1 plus 28 fois 2 plus 42 fois 1. On trouve 187,3. 187,3 divisé par 30, 6,24. Donc au dixième de millimètre près, 6,2 mm. Donc il y a plus en moyenne 6,2 mm par jour. Alors ici on va faire un tableau d'effectifs cumulés. Donc effectifs cumulés. 4, 10, 14, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Grand N, ici, l'effectif total est égal à 30. Donc 30 est égal à 2 fois 15, donc c'est un nombre pair. Donc la médiane, c'est x15 plus x16 divisé par 2. x15 plus x16 divisé par 2. Alors ici, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 1,7 plus 1,7 divisé par 2. Donc le 15 et le 7 sont sur cette case ici. 4, 10, 14, 15, 16. Donc 1,7. Donc 1,7 plus 1,7 divisé par 2. Et bien ça c'est 1,7. Alors on peut vérifier ça avec la calculatrice. Dans statistiques, on entre les valeurs 0, 0,3, 0, 1,3, 1,7, 2,5, 7, 13, 21, 28, 42. Donc ici, on peut mettre 4, 6, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 2, 1. On va pouvoir faire stat. Et on voit ici. Donc ici les valeurs statistiques, on voit ici la moyenne 6,24, donc 6,2,
Donc à la suite de l'écran, ici on trouve la médiane égale à 1,7. Médiane 1,7. Alors quelle est l'étendue de la série? C'est la valeur, c'est le caractère, la valeur de le caractère maximal moins la valeur de caractère minimal, donc 42 moins 0, donc c'est égal à 42. Donc étendue de la série, 42. Alors nombre de jours où la hauteur des précipitations est égale, est supérieure ou égale à 13 mm. Donc 13 mm. Donc on est ici, supérieur ou égal. Donc nombre de jours. Nombre de jours supérieur ou égal à 13. Donc 2 plus 1 plus 2 plus 1. 4, 3 plus 3, 6. Et donc il y a proportion en pourcentage. Donc PR en pourcentage. Donc 6 sur 30 fois 100. 600 divisé par 30. Donc 600 divisé par 30. Eh bien, c'est égal à 20%. Donc il y a eu 20% de jours. Dans la période d'un mois, dont les précipitations sont supérieures ou égales à 13 mm. Sachant qu'une des pistes de décollage de l'aéroport est de 3000 mètres de long et 50 mètres de large, eh bien le volume en millimètres cubes, donc en millimètres cubes, c'est 3200 mètres, mais en millimètres cubes, c'est 0, 0, 0, donc ici 3 200 000 fois 50 000. Fois le nombre de précipitations totales au cours de ces 30 jours, on l'avait calculé, ici c'est 187,3 mm, 187,3 mm, ça on peut l'effectuer sur la calculatrice, donc 3 millions fois 50 000 fois 187,3, on va trouver 2,996, donc 2,99, on va les mettre ici, 6, 8, on va prendre tous les nombres et après arrondir, fois 10 puissance 13 mm cube, donc ici 99,68 fois 10 puissance 10 cm cube, 2,9968 fois 10 puissance donc 7 décimètres cubes, ce qui fait donc 2,9996800 litres. Donc ici 2 996 800 litres, ou encore 2 996,8 mètres cubes d'eau. Donc il est tombé 2 996,8 mètres cubes d'eau au cours du mois d'avril 2016. Deuxième partie. Cette partie est composée de 4 exercices indépendants. Exercice 3. Déterminer sans justifier quelle figure géométrique est tracée lorsque l'on exécute chacun des programmes suivants. Exercice 3, deuxième partie. Quelle figure géométrique est tracée lorsqu'on exécute chacun des programmes sur Scratch. Donc on va exécuter les programmes sur Scratch et voir ce que ça donne. Donc, programme A, quand le drapeau est cliqué, on met le stylo en position de signe d'écriture. Voilà. On répète deux fois et on avance de 300. On avance de 300. On tourne de 90. On avance de 70 et on tourne de 90. Et donc on peut cliquer et on trouve donc un rectangle. Donc aussi on peut avoir un rectangle de 300 pixels de longueur et de 70 de largeur. Un rectangle de 300 pixels de longueur et 70 pixels de largeur. Alors si vous voulez une justification, ici on a 90-90, donc ici le quadrilatère a 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Alors ici on avance de 100,
Ici, 50, on tourne de 50, 100 et 130. Alors, on vérifie, dans 130 plus 150, 130 plus 50 égale à 180. Et donc, ici, 100 et 100, les longueurs de côté vont être égales. Donc, on va avoir un losange. Effacer tout. Hop, et voilà. Donc, on aura un losange, 100 et 100. Donc, les côtés sont de même longueur. Quadrilatère qui a des côtés de la même longueur, eh bien c'est un losange. On a tracé un losange de 100 pixels de côté. Si on a tracé un losange de 100 pixels de côté. Deuxième partie. Cette partie est composée de 4 exercices indépendants. Exercice 4. Un batelier descend une rivière de 120 km en un certain nombre de jours N, puis il la remonte. La distance parcourue quotidiennement lors de la remontée est inférieure de 6 km à celle parcourue quotidiennement lors de la descente. Le batelier met au total un jour de plus pour remonter que pour descendre. On considère qu'il descend à vitesse constante et qu'il remonte à vitesse constante. Question 1. Exprimer en fonction de n la distance en kilomètres parcourue quotidiennement pendant la descente et la distance en kilomètres parcourue quotidiennement pendant la remontée. Question 2. Montrer que 120 sur n plus 1 est égal à 120 sur n moins 6. Question 3. Déduire de la question précédente que n fois n plus 1 est égal à 20. Question 4. En déduire la valeur de n et interpréter ce résultat. Exercice 4, deuxième partie. Donc ici, un batelier descend une rivière de 120 km en n jours. Alors, quelle est la distance parcourue quotidiennement pendant la descente. Donc ici, descend la rivière en un certain nombre de jours n. La rivière fait 120 km, donc par jour, il fait 120 divisé par n km. Maintenant, on veut savoir la distance parcourue pendant la remontée en kilomètres. Ici, distance parcourue quotidiennement pendant la remontée. On dit que le batelier met un jour, au total un jour de plus pour remonter que pour descendre. Donc la distance parcourue quotidiennement pendant la remontée, eh bien ça va être 120 divisé par le nombre de jours nécessaires pour remonter la rivière, donc un jour de plus, donc n plus 1. Donc distance parcourue quotidiennement pendant la remontée, 120 sur n plus 1 kilomètres. Alors ici, 120 sur n plus 1 est égal à 120 sur n moins 6. Alors 120 n plus 1, c'est la distance quotidienne, donc parcourue quotidiennement pendant la remontée, que représente 120 sur n moins 6. Alors, on lit l'énoncé. La distance parcourue quotidiennement lors de la remontée est inférieure de 6 km à celle parcourue quotidiennement lors de la descente. Donc ici, on va prendre la distance parcourue quotidiennement pendant la descente, 120 sur n, est inférieure de 6 km, donc on va retrancher moins 6. Donc ici, donc distance parcourue quotidiennement pendant la remontée s'exprime aussi de la manière suivante. Donc on a dit la distance parcourue pendant la descente, moins 6. Et donc on a l'égalité suivante, comme 120 sur n moins 6 et 120 sur n plus 1 représentent la même grandeur, la même distance, eh bien, on peut dire que 120 sur n plus 1 est égal à 120 sur n moins 6. Alors, déduire de la question précédente que n plus 1 est égal à 20. Alors, on va reprendre 120 sur n plus 1 égale à 120 sur n moins 6. On met le membre de droite au même dénominateur, 120 sur n plus 1 égale à 120 moins, donc là on multiplie par n en haut et en bas, 6n sur n. Et ici,
on peut faire le produit en croix, donc 120 fois n, donc le produit en croix c'est comme ceci, 120 fois n égale à 120 moins 6n fois n plus 1. Donc ici, on a 120n égale à 120n, donc on va développer la double distributivité, 120n plus 120 moins 6n au carré moins 6n. Donc ce qui peut simplifier c'est 120n, on l'a au membre de gauche et au membre de droite. On va laisser le 120 à droite, 120, et on va mettre 6n au carré de l'autre côté et 6n de l'autre côté. Donc 6n au carré moins 6n. On peut factoriser par 6, 6n au carré moins n égale à 6 fois 20. On peut donc diviser par 6 de chaque côté de l'égalité. N au carré moins n, on va factoriser par n. N fois n plus 1 est égal à 20. Donc on retrouve bien l'équation donnée dans la question 3. En déduire la valeur de n, donc le produit d'un entier et de son suivant est égal à 20. Donc ici on va dicter les diviseurs de 20. Donc 1, ensuite 2, 10. 20 n'est pas divisé par 3. 20 est divisé par 4. 4, 5. Et on s'arrête là. Donc les diviseurs de ces 20, 10, 5, 1, 2, 4. Donc 20 fois 1 égale à 20. 10 fois 2 est égal à 20. 5 fois 4 est égal à 20. 4, le suivant c'est 5. Donc n, n plus 1 égale à 20. Si et seulement si, n est égal à 4. N est égal à 4, donc n plus 1 est égal à 5. Ainsi, ici le batelier met 4 jours pour descendre la rivière et 5 jours pour la remonter.